vais jouer ma vie dans quelques instants. J'ai l'impression que je vais au couloir de la mort. Adieu. Bonne chance. Je stresse vraiment. En fait, ce qui est horrible, c'est que je sais où je vais. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous embarquer dans une aventure. Mais avant, je voulais vous montrer quelques vêtements. On va faire ça sur le carré parce qu'il y a plein de chutes de pattes. Ok. J'ai vraiment le meilleur background. Première tenue que j'ai commandée, petite jupe qui est vraiment très courte. J'ai mis un t-shirt en dessous, elle est vraiment super courte. Et ce petit haut, trop mignon. En fait, c'est un haut transparent avec un débardeur en dessous. Charlie, il est bloqué. Il arrive pas à sauter. Ok, la suivante, c'est celle-ci. Une petite jupette super épaisse, un peu plus longue. Il y a des poches aussi, j'ai même pas capté. Next. Elle est vraiment de bonne qualité, elle est super épaisse. Ça c'est vraiment joli, c'est deux petites broches. C'est des manches bouffantes un petit peu. Cette petite robe là, oh my god, elle est tellement cute et si beau. La robe elle vient en deux parties, c'est un petit sous-pull qui vient avec. C'est vraiment cool du coup parce que tu peux le porter en dehors de la robe. Et les chaussures aussi sont nouvelles, c'est des petites chaussures que je voulais depuis longtemps. Ça ressemble un petit peu à des chaussures Chanel, elles sont vraiment trop belles. Ouais. Oh, c'est trop cute. Il a l'air épais mais en fait il est assez fin. Trop cute. Ouais, et puis ça tâche de... Mais on dirait trop de la vraie fourrure d'or. Ouais, ça n'est pas, ça n'est pas en mettre là. On dirait tellement de la vraie fourrure, t'es sûre? Ouais, c'est de la fausse. Trop bien fait maintenant les fausses fourrures, je suis dead. Mais c'est pour ça qu'il faut pas acheter des vraies fourrures, acheter des vraies fourrures. Les fausses c'est bien fait. Ouais, c'est putain, c'est hallucinant. Il est mignon hein. Trop cute. Ensuite, j'ai pris ce petit haut. Oh my god, regardez. Tu peux faire ton petit nœud ici, tu peux le faire de toutes les manières que tu veux. Vas-y, cours. Donc là je vais jouer ma vie dans quelques instants. Oh my god. Je vais aller repérer le coiffeur le plus mal noté avec les reviews les plus négatives. Et je vais y aller et je vais demander quelque chose. Je vais pas faire de coupe de cheveux parce que sinon je pense que je vais mettre fin à mes jours. Je vais demander une mise en pli. Attends, tu sais quoi, demande des boucles parce que quand c'est mal fait, des bah boucles. Oui. C'est laid. Ça part dans tous les sens. Je pensais à une coiffure un peu genre bouclée, genre old school. Ah ouais. Je vais demander un truc qui est faisable que moi j'ai déjà fait personnellement. Ouais. Quelque chose d'un peu genre vintage soirée. Tu lui dis que genre t'as une soirée ce soir, c'est très important pour toi et tout, tu vois. Ouais. Il faut que ce soit faisable. Mais fais vraiment la cliente habituée, la cliente normale. Ouais. Attention, j'ai l'habitude qu'on fait, on prenne très soin de moi. Fais la clientèle. Ok, ouais, normal, ok. Tu fais comme oh my god, j'ai tellement peur. Voilà, c'est pas mal ça en fait. Sous tous les angles, ça fait un peu ça. Je vais lui montrer ça. C'est une coiffure rétro assez classique pour cheveux longs. Ça se fait avec des pinces comme ça, un fer à boucler ou des bigoudis. Pas mal de lac aussi. En haut ici, tu peux crêper, mais faut pas crêper beaucoup pour garder le volume. Donc voilà. Ouais, moi aussi. C'est facile en vrai, tu peux pas. Bah, moi je l'ai déjà fait là plusieurs fois. Celui que je vais choisir va définir un peu ma vie là. Genre, j'ai vraiment peur là. Elle va te l'exprimer. Tu vas revenir dans la pute cheveux. S'il brûle mes cheveux. Et surtout que toi, c'est blond et coloré, du coup, genre, c'est. Ça se crame en deux secondes. Tu vas faire un feu de camp. Non. Par contre, si je reviens sans cheveux. Je te jure qu'il y aura de la fumée, Roman, c'est impossible qu'il n'y ait pas de fumée. Tu vas la voir, genre, en train de faire, tu vas avoir envie de la. Je vais être impuissante, genre, je vais me sentir si impuissante. Des boucles, ça va les brûler tes cheveux. Je lui fais une prise de kung fu, genre je vais lui faire une clé de bras si jamais elle fait ça. Oh my god. Alors je suis tombée sur un salon, un des avis c'est elle m'a donné des cheveux de raton laveur. Elle a dit scam elle, pure scam. J'ai d'abord demandé à adoucir le blond de mes cheveux, finalement je suis tombée avec un noir cendre et des spots jaunes. Oh, je voulais pas payer mais elle m'a forcé en disant qu'elle allait appeler la police. What the? Là il y en a une qui est contente. Le salon raton laveur là. À éviter pour la coloration. J'ai demandé une couleur brun clair. La coiffeuse m'a donné un brun foncé cendré. Ok. Aucune compétence. Fraude. Une très mauvaise expérience. Cheveux complètement ruinés. C'est horrible. Ce salon est catastrophique. J'ai eu le monsieur. Il savait même pas faire un brushing. Il m'a brûlé, tiré fort les cheveux. J'ai interrompu aux trois quarts parce que ça faisait déjà 1h10 qu'il massacrait mes cheveux. Oh, c'est ça. Il va te les. Tu vas avoir plus de cheveux en rentrant. Fais jamais ça. Je sais pas quoi faire. Tu peux pas genre offrir un service au client et t'attendre à ce que personne n'en parle. Genre à un moment donné, il faut juste respecter ses clients. Ouais, donc le salon, ça me tente bien moi perso. Ouais, franchement ça a l'air pas mal. Franchement ça a l'air sympa. Hein. Bonjour, je voudrais savoir si vous aviez une place pour aujourd'hui, pour une mise en pli. What time? At 5 PM. Possible for 20. What? 4h30. Oh, 4h30. Yeah, it's okay. Okay, see you for 30. You have long hair? Mid-long, middle, yeah. $30. 30, okay. Okay, yeah. Thank you. You coming for 30? Yeah. Cool. Yeah, okay, see you, bye. Bye. Ça promet. Ça promet déjà. Rien que le téléphone. $30 pour le prochain, c'est ça? C'est parfait. Ouais. C'est bon, c'est bien. Oh my god.
J'ai l'impression que je vais au couloir de la mort, c'est genre 4h30, c'est la date ultime. Ouais. Mmh. Fais-toi peut-être un dernier repas. Ouais, hein. Ouais. Je vais faire une photo de tes cheveux avant. Ah ouais, ouais, fais. Touche-les, avant la qualité qui va disparaître dans quelques minutes. Je vais t'appeler dans quelques heures et je vais pleurer au téléphone, c'est sûr. Ça va être génial, hein. Ouais, ça va être le meilleur coiffeur que j'ai jamais. Ouais, si ça se trouve. Sinon, il y a l'épilation aussi, je peux tester l'épilation. Ah non, mais là, ça peut pas être raté. Même moi, je le fais. Ça. Tu me le fais, Vincent? Tu peux pas. Le salon s'est établi à côté depuis plus de 40 ans. Je bois un café et je mets du cyanure dedans. Je suis sûre qu'ils vont te surlaquer, moi, je pense. Ouais, ça c'est sûr. Ça va être dur, tu vas prendre les deux, ça va être dur. Ça c'est l'erreur en général, genre ouais, des mauvais coiffeurs, ouais. C'est qu'ils surlaquent. Ouais, de ouf. Moi, si je faisais ça au début, je surlaquais aussi. Ouais. Je vais enlever mes extensions, parce qu'il va pas travailler sur mes extensions. Peut-être que c'est la dernière fois que vous me voyez avec cette tête là. Non, il va pas toucher à ta tête. Oui, ce sourire peut-être. Non, c'est mon sourire qui va disparaître. Soy, adieu. Bonne chance, je suis heureuse de te rencontrer. Moi aussi. T'es comme une sœur pour moi. Moi aussi, t'es vraiment comme une sœur pour moi. Attends, laisse-moi regarder tes cheveux. Laisse-moi regarder les tiens. Est-ce que c'est un peu ça que tu veux? Tu vas demander un peu ça? Non, non, non. C'est quelque chose un peu plus structuré, un peu plus vintage. S'ils sont pas capables de faire la coiffure, normalement ils sont censés me le dire, puis on voit pour faire autre chose. Ouais, c'est ça. Je vais filmer avec mon téléphone au début là-bas pour éviter qu'ils voient qu'on filme. Je dis quoi comme événement? Je vais un photoshoot ou alors genre je vais un événement, un cocktail? T'es pas obligé de te justifier. Faut que j'ai un plan dans ma tête parce que check, si jamais il me demande à un moment donné, genre tu sais, il va vouloir être nice, il faut que ce soit cohérent genre mon discours, sinon je vais commencer à faire. Parce que moi je suis tellement mauvaise menteuse, il faut que ce soit cohérent dans ma tête. Un truc du genre, j'ai une soirée ce soir. Un gala de charité. Un gala de charité, ouais. Un gala de charité, c'est nice. Mm. Pour les vers de terre qui sont en voie de disparition. Un gala de charité pour des vers de terre. Comment on dit vers de terre en anglais? Lambric? Charity gala for the safety of the worms. Oh, mais... oh my god. Genre, je suis désolée. Tu me dis, ouais, il me faut une histoire cohérente. Ça tient pas de. Un gala de charité pour des vers de terre. Je stresse vraiment. Oh guys, vous m'aviez parlé de faire une nouvelle intro. Et c'est marrant parce que genre justement, je vais faire ma nouvelle intro bientôt, j'ai trop trop hâte que vous la voyez, elle va être trop bien. J'espère qu'elle va être trop bien, je suis en train de bosser dessus. Quoi? C'est là? Ouais. Je vois pas. Ah ouais. Ok, on va se garer sur le côté. Ça va, la devanture est... Bah, elle est correcte. Oh my god, j'ai la pression. Il est 16h16, on a 10 minutes d'avance. Non mais je te jure, mais là je sais, en fait ce qui est horrible c'est que je sais où je vais. Ouais, c'est ça, c'est que tu te l'infliges à toi-même. Je le sais. Je fais tellement attention aux reviews sur internet, genre en règle générale, ça me fait mal au cœur, tu vois, à mon âme, tu vois. À partir de maintenant c'est mon iPhone. Désolé, ils font beaucoup de trucs là, ils font manucure et tout. Bonjour. Donc ce serait quelque chose un peu comme ça. Ok. Washing un peu comme ça. Un peu vintage, old school. Quelque chose wavy, non? Quelque chose un peu comme ça. Un peu rétro. Ok. Ok. J'ai déjà fait mon shampoing, donc j'ai pas besoin. Du bon shampoing? Non, non, non. Non, non, non. Okay. Thank you.
myself umbrella because it's if rain it's all gone. Okay, we have called something for. Thank you. Be careful. Yeah. So it was okay. It's for you. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Nice day. That's all. Dis-donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est possible. Mais regarde au-dessus, genre. C'est quoi? Non, c'est pas possible. Et là, là, tu verrais, attends. Ok. Ici, là, il y a un trou. Ici, t'as une partie. Et là, t'as réellement une autre partie. Là, ça va pas. Hein. Non, mais attends, tout là. Mets-toi en face. On dirait qu'il t'a mis un serre-tête. Ça n'a rien à voir. Le pchit qu'il m'a mis, c'était de l'huile glossy. C'est de l'huile. Ah, du coup, ça, genre. C'est de l'huile. C'était pas un protecteur thermal. Genre, ça faisait là la fumée. Hein. Je regardais ailleurs parce que j'étais comme. Je veux pas assister à ce massage. Là, tu verrais, t'as des petits cheveux cramés là. T'as plein de petits cheveux cramés ici. S'il te plaît, il a mis de l'huile sur toutes les parties de mes cheveux. Les cheveux étaient encore huileux. Il a séché. Il me peignait les cheveux avec un peigne. Il partait de la base puis tirait jusqu'au bout. Mais en plus, il était cute. J'avais pas envie d'être méchante avec lui. Ouais. Le staff était vraiment gentil quand même. En passant. Au début, je pense qu'il m'a cramé. Genre au début, ou du moins, il avait un gros doute au début. Oui, il arrêtait pas de me regarder et tout. Du coup, après, j'ai trouvé une position. Mode détective privilégié avec son magazine, avec le téléphone comme ça. Les waves en tant que telles, elles avaient du potentiel, tu vois. Puis c'est quoi les bosses là? Oh my god. Mais t'as une mèche de ce côté-là, il l'a pas fait. Genre, elle est toute droite. Regarde, check. Elle est droite, oh ouais. C'est juste une mèche là. Quand il a commencé à mettre de l'huile sur les cheveux, je me suis dit, ok, là je me suis embarquée dans un chien. Mais c'est trop drôle parce que c'est vraiment pas ça que j'ai demandé quoi. En plus, je vais remontrer. Mais je vais montrer cette photo. Ça n'a rien à voir. Genre, elle est où la wave? Ici, c'est là où il est censé avoir le plus de volume. Comme il a juste vague là-dessus. Check. Il y a un de tes cheveux qui s'est accroché au plafond. Oh shit. Je viens de le perdre là? Ouais. Moi je rentre à la maison. Non mais je veux pas perdre mes cheveux là. Tu vas pas perdre tes cheveux, c'est juste il les a cramés un peu. On voit vraiment ton crâne. Mais me dis pas ça. Moi je vais pleurer hein. Touche si pas, touche pas. For real, ça me fait chier qu'il soit mauvais parce qu'il était cute. Mais non, il était vraiment, vraiment sympa. Genre c'est ça qui est dur, bon. Mais après genre c'est pas parce que t'es gentil que tu sais quoi faire de vous. Waouh, hey, je m'attendais pas à ça. Si j'avais payé en voulant vraiment un truc et que genre j'avais pas eu beaucoup de temps, que je pouvais pas le refaire et tout, mais j'aurais eu trop la haine. Mais à la caméra comme ça c'est pas si horrible. Non, à la caméra ça va. Hein. T'sais, il m'a brûlé au bout d'un moment. Oui, j'ai vu. Il était comme t'inquiète pas, il était en train de prendre presque mes cils en même temps. Tu vas faire fondre mes cils, genre mon œil aussi, elle s'en mange. Il voulait brushinger mes cils avec, j'étais comme non, je veux pas la totale. Tu me vois vraiment aller une soirée comme cette soirée rétro, mettons, il y aurait une soirée Gatsby, genre. Tu sais que je ressemble à Shakira un peu. J'ai hâte de voir l'évolution. Mmh. Ok, Roman, tu peux venir. What the fuck, bro? Non, mais en vrai, c'est sérieux. Ouais. C'est sérieux. Il a mis de l'huile. Ça n'a aucun rapport. Non, mais regarde. Je sais pas, mais il a vu la photo, t'es sûr? Oui, je lui ai montré. Je lui ai montré plusieurs photos. Et il était ok. Et c'est hallucinant. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un truc qui ressemble autant pas à la photo. C'est ce que je disais. C'est naturel, mais genre, ça n'a aucun rapport. Oui, ça existe pas. Oui, mais tu veux pas faire ça au fer. Je lui ai dit, je vais à une soirée. Il avait une machine qui en fait faisait des waves naturellement. Mais ça n'a rien à voir cette machine-là. Il a utilisé la machine qui fait des waves comme ça. Ce fer-là. Il fait que des beachy waves, tu peux rien faire d'autre avec. Donc il sait d'avance qu'il fait que des beachy waves. Il avait un fer en haut, il a pris le fer en haut, tu vois, qui était encore dans une boîte et tout. Genre, ça se trouve, c'est la première fois qu'il l'utilisait. Genre, je m'attendais aux boucles mal faites. Ouais, c'est ça. Mais les beachy waves, c'est le contraire. Attends, il les a lissés avant les. Il les a lissés, puis il les a bouclés. Déjà, moi au début, j'ai pas compris pourquoi il les lissait comme ça. Genre, ça servait à rien du tout. Les cheveux étaient déjà lisses, c'est quoi son problème? Quoi, de A à Z, il a fait un truc. Je sais pas parce qu'il sait pas faire quoi. A chaque fois qu'il bouclait, il laquait. Il bouclait, il laquait. Fait qu'il a pas fait de mouvement d'ensemble de brosse pour donner cette allure. Ça, c'est appliqué pour faire ça. En tout cas, voilà, je suis prête pour aller à ma soirée. Quoi? Super vintage. Je t'ai payé 30$ et avec les tips. T'as donné du tips? Bah, j'ai donné 15. Bah, ouais. T'as donné du tips, mais ça encourage, c'est pour pas faire ça. Oh, mais je me sentais trop mal parce que je lui ai dit merci et tout. Non, mais le but c'était pas de lui dire que c'était de la merde. Ouais, mais non, mais là. Je passais de la coco dessus, un truc comme ça. Un énorme masque, genre toute la nuit. Voilà, mes amours, j'espère que cette expérience vous aura donné des frissons
comme à moi. J'ai vraiment peur pour mes cheveux. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.